Batwing F1 prête à vous emmener à Jezebel Plaza. Monsieur, pour simplifier vos voyages, j'ai installé des points de navigation automatique dans différentes zones de la ville. L'une des destinations prédéfinies devrait vous mener à Jezebel Plaza. Je devrais utiliser mes balles fumigènes. Je dois me mettre en hauteur, à l'abri du danger. Il ne tirera pas s'il ne me voit pas. Si j'attaque de front, c'est le meilleur moyen de me faire tuer et de faire tuer l'otage. Ils ne s'attendent pas à une attaque par au-dessus. C'est toujours comme ça. Ce machin-là est avec vous ? Ça va pas ? On a juste répondu à un appel, c'est tout ! Non, non, j'arrête. Je peux me faufiler jusqu'au preneur d'otages en rampant dans la ventilation. Mais c'est quoi, ce machin ? Tu crois que c'est le mec qui nous a embauchés ? Tu l'as énervé ou quoi ? Mais... Mettez-vous à l'abri et appelez la police. Ils voudront voir ce qui se passe ici. D'accord, je m'en charge. Ça devait juste être un dépannage. La réparation de la tour, c'est tout. J'ai un otage. Si jamais t'approches, je vais te mettre. Ouais, vas-y. Ça va, Charlie. Oh, mon Dieu. J'en ai pas tiré. Je peux réparer la tour. Tout ce que vous voulez, pitié, me faites pas de mal. Tout ce que je veux, c'est que vous vous mettiez à l'abri. Je ne pense pas que les ennuis de cette tour soient dus à l'orage. Je dois installer une scène de crime et découvrir ce qui s'est passé. Je dois commencer par identifier la victime. La
La victime s'appelle David Shannon. C'est un employé de Gotham Optics envoyé pour réparer une tour relais. Mais qu'est-ce qui l'a tué ? Je le découvrirai sûrement en analysant l'ADN sur le mur. L'analyse de l'impact indique que la victime a été tuée par une sorte d'explosion provenant de ce panneau d'accès. Je devrais l'analyser pour trouver des indices. Le panneau a été piégé pour exploser lors de l'utilisation d'un pass. Quelqu'un ne voulait pas que cette tour soit réparée. Et on dirait que cette personne a laissé une série d'empreintes derrière elle. Alfred, je vous transmets des empreintes pour analyse. Communiquez-moi les résultats. Certainement, monsieur, je cherche. Et voilà, elles appartiennent à John F. Becker. C'est un criminel plutôt quelconque, de menu larcin, surtout. Sauf que... c'est curieux. Pourquoi ça ? Monsieur Becker est mort, monsieur. Son corps a été retrouvé dans le Diamond District il y a moins d'une heure. On dirait que quelqu'un essaie d'effacer les traces. Je peux contourner le panneau d'accès piégé avec mon séquenceur cryptographique, mais j'ai besoin des codes de cryptage sur la carte d'accès de la victime. Je devrais la trouver en analysant la scène de crime. Cette carte a les codes dont j'ai besoin pour pirater les panneaux d'accès de la tour. Alfred, contactez le GCPD. Prévenez-le au sujet du corps. Envoyez-lui aussi les données de mes analyses. Certainement, monsieur. Cela veut dire que vous avez trouvé la source des perturbations ? Je crois, oui. Tiens, tiens, mais c'est le roi des voyous en personne. Je me disais bien que tu finirais par te montrer. Désolé pour le bazar en bas. Qui est là ? Dis-toi juste que je suis un grand mystère. Un grand mystère insoluble. Énigma, alors ? Oh, tu dois te prendre pour un génie. En parlant de génie, écoute ça. J'ai pris le contrôle des tours de ce genre dans toute la ville. Tant qu'elles seront actives, ta Batwing sera inutile. Et on dirait bien que ça va durer. Franchement, celles-ci meurent d'envie d'être désactivées. Mais t'y arriveras même pas. Dommage, mon vieux. Ça ne va pas plaire à Black Mask. De quoi est-ce que tu parles ? T'aimerais bien savoir. Le brouilleur est hors ligne. Je vais pouvoir passer avec la Batwing. Ces relais font partie du réseau de sécurité distribué. Je me demande ce qu'ils protègent. Ce doit être ici qu'Enigma s'est installée. Je dois lui rendre une petite visite. Je vois que vous avez repris le contrôle de la Batwing. J'imagine que vous allez à Jezebel Plaza ? Tout à fait. Mais j'ai aussi une piste sur Enigma. Ne vous en faites pas trop, monsieur. On sait bien que vous finirez par faire... les deux.
Si je ne vais pas à Jezebel Plaza avant l'échange d'armes, je ne pourrai pas localiser le pingouin. Du GCPD vient juste de circuler. Je peux aller enquêter et même peut-être arrêter le crime. Mais je dois aussi m'occuper de la vente d'armes à Jezebel Plaza. Utiliser l'accélérateur de grappin. J'espère que vous resterez discret ce soir, monsieur. Pas de problème. Je vais éliminer ces assassins avant même qu'ils ne puissent faire. Il n'y a pas que ça. Si des enfants curieux scrutent le ciel pour voir qui trottine sur leur toit, ils s'attendront à voir le Père Noël, pas une chauve-souris géante. Je ne trottine pas. Ah.
On dirait que je suis arrivé le premier. Je dois trouver un endroit d'où je puisse épier discrètement. Le pingouin. Il sait absolument tout des transactions qui ont lieu dans cette ville. Si quelqu'un sait où se trouve Black Mask et ses assassins, c'est bien lui. Mais le pingouin est dur à trouver. Ces hommes concluent une vente. Je vais les faire parler. Les gars! Eh, les morveux, qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Attendez, je le sais déjà. On va voir si vous avez été méchant ou... gentil. Le crétin au Père Noël est sûrement le chef. Où est passé le reste? Sérieuse. Bon, on va y jeter un œil. J'ai pas fait tout ce trajet pour un seul flingue. Ouais, mais c'est pas n'importe quel... Je détruis. J'ai des interférences sur mes systèmes de communication. Ça vient de chez vous? Non, monsieur, je le constate aussi. Ça provient de la tour GCR toute proche. C'est le même signal qui brouille les systèmes de navigation de la Batwing. J'ai indiqué la tour sur votre carte. Je dois arrêter le signal afin de pister le pingouin. À toutes les unités, tout le monde doit être en mission. Pas de 10-10 pour le moment. Le jeu pour Noël, c'est de l'argent! Oh!
monter ? Quoi que ces relais protègent, ce doit être dangereux. Je dois détruire ce que je trouve. Résoudre un problème avec son cerveau lorsqu'on peut se contenter de faire n'importe quoi. Tu sais, si tu l'avais demandé gentiment, je l'aurais ouverte pour toi. Mes félicitations, Batman. Tu n'es peut-être pas aussi débile qu'on me l'a fait croire. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Enigma ? T'es direct ? Ça me plaît. Je vais te dire. Gotham est souillé, rempli de brutes qui contrôlent la ville par la violence et l'intimidation. Tu n'as pas répondu à ma question. Parce que tu m'as coupé la parole ! Je veux me débarrasser de Batman, dans le but d'améliorer la morale et le QI dans Gotham. Je ne suis pas un voyou comme toi. Mon style est un peu plus raffiné. Ce que tu fais n'est rien d'autre que tu fais.